J'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui on va parler soldes. J'ai beaucoup hésité à savoir quoi vous filmer pour cette vidéo. Et je me suis dit, bah écoute, comme c'est la période des soldes, on va parler soldes. Pour ces soldes-ci, je ne vais pas faire de haul pour la simple et bonne raison que je n'ai pas fait les soldes. Vous êtes peut-être au courant si vous me suivez sur les réseaux sociaux et sur ma chaîne depuis quelques semaines. J'ai annoncé que début février je partais à Disneyland. Du coup, j'ai décidé d'économiser et de ne pas faire les soldes, puisqu'en plus de ça, on va passer une soirée au centre commercial de Val d'Europe. Du coup, je sais très bien que je vais faire les boutiques là-bas. Ça sera la dernière semaine des soldes, il me semble. Et bien entendu, je vais acheter plein de choses à Disney en tant que grande Disney addict. En plus de ça, on sait très bien que tout le merchandising Disney coûte assez cher. Du coup, je me suis dit, non, Coralie, tu ne vas pas faire les soldes, tu vas économiser. En plus de ça, si vous avez regardé ma vidéo sur mes objectifs pour cette année 2019, si vous ne l'avez pas vue, je vous la mettrai juste ici. Un de mes objectifs était de économiser et de dépenser plus intelligemment. Et c'est ce que j'ai fait en refusant de faire les soldes. Bon, attention, je me suis quand même acheté trois petites choses. Premièrement, ce pull-ci qui vient de chez Mango. Je vous mettrai le lien dans la bio si je le retrouve. Et je me suis également acheté ce pull-ci de chez H&M. Il est trop beau. Il y a des petits cœurs brodés. En plus, ça, il est rouge. Et je n'avais pas de pull rouge. Du coup, avec ces deux pulls-là, je ne peux pas dire que je n'ai plus de pull rouge. Et je me suis également acheté un sac à dos que je n'ai pas encore reçu de chez Shein. Je mettrai la petite photo ici, donc c'est tout simplement un sac à dos pour partir à Disneyland. Ça sera mon sac que j'aurai tous les jours dans le parc. Donc voilà. Du coup, la vidéo du jour, elle sera axée principalement sur ma wishlist solde. J'ai quand même fait du lèche-vitrine, hein. Vous commencez à me connaître, je suis une shopping addict et automatiquement une shopping addict adore faire du lèche-vitrine. Du coup, je me suis baladée sur les principaux e-shops sur lesquels je me serais rendue si j'aurais fait les soldes et j'ai fait une petite sélection que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vous invite également à vous rendre sur le blog puisque sur le blog, il y a une sélection beaucoup plus large. Donc voilà, n'hésitez pas à vous rendre sur le blog, regardez la barre d'infos et c'est parti. Donc alors, je me suis parée de mon ordinateur et on va commencer. Donc j'ai sélectionné pas mal de boutiques, il n'y a pas beaucoup de beauté, il y a plus de mode. Alors premièrement, on va commencer avec la marque Pull&Bear. Alors, j'ai vu cette veste en jean qui est juste magnifique. Elle a des petites abeilles brodées. Enfin, c'est pas brodé, c'est comme si c'était des... j'ai perdu le mot. Des broches, voilà. Elle a des petites broches abeilles accrochées sur tout le devant. Et en plus, j'aime bien parce qu'elle est quand même assez oversize. Et j'adore les vestes en jean oversize. Donc, elle est soldée à 40 euros au lieu de 46. Donc, c'est pas énorme. Mais écoutez, hein, quand on veut faire les soldes, on prend ce qu'il y a. Ensuite, je suis tombée amoureuse de ce gros sweat, toujours de chez Pull&Bear. Pull&Bear, Pull&Bear. Dites-moi dans les commentaires comment vous dites. Je sais pas si on dit Pull&Bear ou Pull&Bear. Bref, il est juste trop trop beau. Donc, il est hyper oversized. Il est très long, mais je trouve trop beau que ça soit pour chiller à la maison. Ou genre avec un slim bien serré pour sortir avec une bonne paire de baskets. Je le trouve vraiment assez cool. Il fait très casual et il est soldé à 16 euros au lieu de 20. Donc les soldes chez Pull&Bear ne sont pas top top. Mais bon, là on est à la deuxième des marques. Il y a écrit qu'il y a jusqu'à moins 50%. Ensuite, alors, jamais j'aurais pensé aimer une pièce de ce type. J'ai vraiment adoré cette jupe-ci de chez Stradivarius. Donc c'est une jupe midi qui est ornée de boutons. Je la trouve vraiment trop trop belle. C'est vrai que pour 2019, j'ai essayé de travailler un peu plus mes looks pour proposer déjà des looks plus inspirants sur le blog. Donc voilà, j'ai décidé pour 2019 de porter des looks plus travaillé et ne pas avoir peur surtout de les assumer. Et je pense que franchement, si je tombe sur cette jupe à Val d'Europe, donc au Stradivarius de Val d'Europe, je pense que je me l'achèterais parce qu'en plus elle est hyper bien soldée, elle est soldée à 10 euros au lieu de 20, donc il y a moins 50%. Et je l'adore, je la vois bien portée avec des bottines ou même avec des baskets. Donc là, le mannequin porté avec des baskets blanches, je suis pas très fan, mais je la verrais plus avec des baskets noir et un top assez serré. Ensuite, j'ai adoré cette veste en jean Looney Toots. Je la trouve trop classe. Elle fait très très vintage. Je l'adore déjà. Je suis fan de la couleur du jean. Un jean comme ça,
bleu très 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 foncé. Je trouve ça très joli. Je trouve que c'est plus facile à porter qu'un jean clair. En plus, elle est très très bien soldée. Elle est soldée à 20 euros au lieu de 40. Donc pareil, il y a moins 50. Et ouais, je l'adore. Je me verrais trop la porter. Je la surtaillerais pour un effet oversize. Donc la prendrais soit en M, soit en L. Et ouais, je l'adore, je la trouve vraiment trop 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 cool. Donc ensuite, ce manteau-ci de chez Bershka, il était sur ma wishlist d'anniversaire et de Noël, si vous l'avez vu. Elle est toujours disponible sur le blog si vous voulez avoir des idées de cadeaux d'anniversaire pour vos proches ou pour vous-même. Et je l'adore. Le style bûcheron, je suis vraiment trop 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 fan. Il est également disponible en moutarde. Moi, je le préfère en rouge et beige. Je le trouve plus joli, mais moutarde, il est également très très joli. Actuellement, il est soldé à 40 euros au lieu de 70. On va maintenant passer à Jennifer. Donc Jennifer, ça a longtemps été un magasin que j'ai adoré. Étant plus jeune, quand j'étais ado. Enfin, je ne suis pas comme si j'étais très très vieille, mais je dirais dans les 12-15 ans, je m'habillais souvent là-bas. Après, c'est vrai que je trouvais que leur collection restait un peu trop ado à mon goût. Donc voilà, à 17 ans, 18 ans, on veut commencer à s'habiller un peu plus femme. Et du coup, j'avais délaissé un peu cette boutique. Mais c'est vrai que là, depuis l'année dernière, ils ont sorti vraiment de chouettes collections. Mais c'est vrai que maintenant, je trouve un peu plus mon bonheur dans cette boutique et je suis plutôt contente car je trouve le rapport qualité-prix plutôt correct. C'est des pièces qui ne coûtent pas cher et qui sont plutôt de bonne qualité. Donc je suis tombée vraiment amoureuse de ce gros pull en maille, donc blanc. Il est soldé à 13 euros au lieu de 20. Il est disponible également en d'autres coloris comme le bordeaux et le gris. Les autres couleurs ne sont plus dispo. Mais moi, j'ai vraiment craqué sur cette couleur blanc et cru. En plus, j'adore les manches bouffantes comme ça, qui sont resserrées au poignet, qui après remontent de façon assez bouffante. J'aime beaucoup ça. Et ouais, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite, toujours de chez Jennifer, j'ai vraiment craqué en faisant ma petite sélection sur cette veste bimatière. Je la trouve trop jolie. En fait, elle est en pilou-pilou. Et après, il y a plein de petits. Comment on pourrait appeler ça? Pas de. Ouais, des franges en pilou-pilou. Elle est beige et écrue. Elle est soldée à 30 euros au lieu de 40. Que ça soit pour une soirée ou pour sortir. Je la vois bien, par exemple, avec une robe blanche. Je la vois bien également portée. Pour casser un total look noir. Ensuite, Toujours de chez Jennifer, ce pull. Alors, il n'est pas trop magnifique ce pull. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est trop trop beau. J'adore le gris foncé et les perles et les pulls en laine à col roulé. Ce pull, il a tout ce que j'aime. Et en plus de ça, il a les manches bouffantes. Donc, resserrées au poignet. Et bouffante sur toute la longueur du bras. Et j'adore. Je pense que lui, je vais aller me l'acheter parce que je l'aime trop trop trop. Il est soldé à 20 euros au lieu de 26. Donc c'est pas une super promo. Mais je m'en fous parce que même s'il n'aurait pas été soldé, je pense que je me l'aurais pris. Et je pense ouais, que là, ouais, je vais craquer. Ensuite, toujours de chez Jennifer, ce sweat-ci, je le trouve trop cool. Donc il fait très casual. Il est hyper oversize. J'adore ça. Il est soldé à 10 euros au lieu de 20. Donc il y a moins 50%. Et je le trouve trop cool. Là, pareil avec un slim très serré noir ou un petit legging pour rester à la maison. Je trouve ça hyper sympa. Il est également disponible en rouge, mais j'aime un peu moins. Je préfère en noir. Ensuite, cette veste léopard à capuche, toujours de chez Jennifer, qui est soldée à 30 euros au lieu de 40. Je suis vraiment fan du léopard. Donc, le léopard, soit on aime, soit on n'aime pas, parce que c'est vrai que ça dépend comment on le porte. Mais c'est un peu comme le vinyle, on peut vite tomber dans la vulgarité. Pareil avec les cuissardes, il faut savoir comment porter le léopard. Donc c'est sûr que je vais pas la porter avec une mini jupe en cuir. Je la verrai plus porter avec un total look black. Oui, avec moi tout est un total look black. Mais voilà, j'aime bien m'habiller tout en noir et après mettre une pièce qui va venir casser ce total look donc noir. Que ça soit par exemple une paire de bottines colorées ou comme là ce manteau léopard qui est une pièce quand même assez forte. J'aime beaucoup faire ça. Donc ensuite, toujours de chez Jennifer, j'ai également craqué sur ce pull-ci. Donc il a les manches bouffantes comme j'aime. Il est blanc. Si vous portez une pièce très oversized ou là par exemple avec les manches assez bouffantes, ce qui peut écraser la silhouette, je vous conseille vraiment de rentrer le devant dans votre pantalon. Et donc il est soldé à 10 euros au lieu de 18. Ensuite, on va passer avec de la beauté. Donc c'est un peu tout mélangé. Je prends les liens comme ils me viennent. De chez Sponjac, donc j'ai vraiment craqué sur l'une de leurs dernières palettes. Ce n'est pas la nouvelle, mais c'est une de leurs dernières. C'est la Capstan palette. C'est une palette assez colorée, comme vous pouvez le constater.
Et pareil pour 2019, je me suis lancé l'objectif de travailler un peu plus le make-up, d'essayer de nouvelles choses. Et donc j'aimerais bien acquérir des palettes avec des couleurs assez pop. Le bleu électrique, il est vraiment très très sympa. Il y a également un rouge fuchsia, un rouge. Et cette palette est soldée à 18 euros au lieu de 25. Je trouve ça pas mal et je pense que je vais craquer également. Ensuite, de chez Azos, mais c'est la marque Miss Selfridge. Il y a ces petites bottines style western, donc avec des petites franges que j'aime beaucoup. J'ai très peu de bottines marron, j'en ai énormément des noires. Donc elles sont à 22 euros au lieu de 45. Et en plus de ça, vous avez moins 10% en plus sur les soldes avec ce code-ci. Donc c'est l'occasion de faire des superbes affaires. Et je pense que je vais craquer également pour ces petites paires de bottines. Donc ensuite, on repart chez Jennifer. Comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans le mood rouge en ce moment. Et il y a ce manteau en fausse peau de fourrure, donc de chez Jennifer, que j'aime vraiment beaucoup. En plus de ça, il est long. J'adore les manteaux en fausse fourrure longs. Où il est soldé à 40 euros au lieu de 60. Il a l'air trop chaud. Je pense que je vais craquer. En fait, quand j'ai fait ma sélection, je me suis dit non, Coralie, tu vas pas craquer. Mais là, quand je vous la présente, ça me donne encore plus envie de craquer. C'est horrible. Je vais retenir mes pulsions de shopping addict. Parce que là, ça va pas le faire. Ensuite, on repart chez Sponjac. Il y a cette dernière palette qui me donne très très envie. Donc ça, c'est une de leurs dernières. C'est la Trumbull Palette. Et moi, je veux la version claire. Donc, il y a une version beaucoup plus foncée pour faire des smokies. Moi, j'adore celle-ci. Pourquoi? Parce qu'il y a des couleurs pareilles que je n'ai pas dans toutes les palettes de ma collection. Du coup, pareil, ça sera l'occasion de m'entraîner à faire des maquillages beaucoup plus travaillés. Et cette palette est soldée à 18 euros au lieu de 25. Ensuite, on repart chez Azos avec la marque New Look et un nouveau manteau donc qui ressemble un peu, enfin légèrement, à celui de chez Jennifer que je vous ai présenté juste avant. Il est bordeaux, mais il est beaucoup plus court. Donc, à choisir, je craquerai plus sur le manteau de chez Jennifer, puisque comme je vous l'ai dit, je préfère les manteaux longs. Mais c'est vrai que lui, il est plutôt sympa. J'aime bien la découpe de cette veste, en fait. Vous voyez, ça fait comme des petites vagues. Donc, cette veste est soldée à 52 euros au lieu de 65. Ensuite, chez Azos, j'ai vu ce petit sac. Je cherchais un sac de ce style depuis pas mal de temps, vous savez, avec la petite lanière en cercle. Donc il est assez petit comme vous pouvez le voir sur le mannequin. Il est soldé à 15 euros au lieu de 25. Ensuite, chez Azos, j'adore cette doudoune. Donc léopard, hein. Maintenant on le sait, j'adore le léopard. Elle est soldée à 31 euros au lieu de 63. Jamais vu une doudoune de ce style, donc avec un motif léopard et le dessus donc au noir. Ça fait un bimotif. Ensuite, de chez Azos, toujours, il y a ce petit sac camel qui est vraiment très très sympa. Donc, il y a une lanière tout en anneau. Je trouve que ce sac a un style quand même assez western. Il est vraiment très sympa et en plus, la taille est parfaite pour sortir en soirée quand vous ne voulez pas vous encombrer d'un gros sac. Il est soldé donc à 22 euros au lieu de 45. Bon, je cherchais depuis pas mal de temps un pantalon en simili cuir. Et je suis tombée sur celui-ci de chez Pinky. Donc il est soldé à 12 euros au lieu de 20. Et il a l'air plutôt sympa. Il y a des petites fermetures au niveau des chevilles. Et il a l'air de faire une belle silhouette. Parce que c'est vrai que il faut bien faire attention quand on choisit un pantalon en simili-cuir. Parce qu'il peut un peu mal tailler selon notre morphologie. Donc toujours essayer. Ensuite, on retourne chez Azos. Il y a cette petite robe-ci. Elle a les manches bouffantes. Et ça, hein, on a compris, j'adore. Et j'aime beaucoup le motif des fleurs jaunes. Et il y a également le petit col qui est assez sympa. Donc là, la mannequin a remonté les boutons jusqu'en haut et je pense que si j'aurais cette robe je ferais également la même chose. Je la verrais bien avec une petite paire de bottines et des collants noirs pas trop opaques. J'aime pas les collants quand ils sont trop trop opaques. Ensuite, alors ça c'est ma pièce préférée de toute ma sélection. Donc c'est ce manteau en fausse fourrure léopard de chez Misguided. Il est vraiment magnifique. Je suis tombée sur plusieurs manteaux léopard quand j'ai fait ma sélection. Mais c'est vrai que mon préféré, c'est sans aucun doute celui-ci. La fourrure a l'air magnifique. J'aime beaucoup le motif comme il est dessiné. Elle est soldée à 73,50 € au lieu de 105. Ensuite, chez Misguided, j'ai vraiment craqué pour cette paire de bottines. Elle est vraiment très très belle. Ça fait plusieurs fois que je la vois et je la trouve vraiment trop belle. Par contre, ça a vraiment l'air des bottines pas confortables du tout. On pourrait presque dire que le pli fait un angle droit. Donc ça n'a pas l'air d'être des chaussures hyper confortables, mais elles sont vraiment magnifiques. En tant que grande fan de bottines à talons noirs, j'adore ces bottines. Elles sont soldées à 61 euros
au lieu de 68. Donc sur Missguided, les soldes, ça dépend, soit on tombe sur des vrais soldes, soit les soldes, ils sont complètement nuls en fait. Donc on a ensuite ce body-ci, toujours de chez Missguided, je le trouve vraiment mais magnifique. Il est soldé à 29 euros au lieu de 42 et il est vraiment mais magnifique. Que ça soit pour sortir ou pour une soirée. Donc pour sortir, je pense que je mettrai quand même un débardeur en dessous, malgré que je trouve le style où on laisse la lingerie apparente assez jolie. Moi, pour le moment, je ne l'assume pas. Je pourrais le porter par exemple avec un petit top avec des bretelles très fines, noires. Donc ensuite, on a cette veste en fourrure jaune de chez Missguided. Je l'adore. Ma soeur l'a eu pour Noël et cette veste, mais elle est magnifique. Et en plus, elle est vraiment hyper bien soldée. Parce que tenez-vous bien, elle est soldée à 52,50 € au lieu de 105. En plus de ça, en utilisant Wanted, je suis persuadée que vous allez avoir un code promo. Ensuite, j'ai adoré également cette paire de Rangers, toujours de chez Missguided. Elle est vraiment hyper jolie, elle fait très rock. Je l'aime beaucoup. Elle est soldée à 52,50 € au lieu de 105. Pareil que la veste. Et en plus de ça, c'est bien parce que c'est une paire de Rangers assez fine. C'est vrai que j'ai un peu de mal avec les grosses Rangers, style par exemple Doc Martens. Même si je trouve cette paire de enfin, ces paires de chaussures très jolies, je préfère porter des Rangers beaucoup plus fines. Ensuite, toujours de chez Missguided, il y a cette robe pull qui est soldée à 23 euros au lieu de 46. Alors, je la verrais bien donc avec des collants transparents et avec une paire de cuissardes, que ça soit une paire de cuissardes beige ou blanche. C'est un peu plus difficile à trouver des cuissardes blanches ou juste avec des petites bottines blanches ou beige. Ensuite, il y a cette veste en jean qui est soldée à 42 euros au lieu de 83, toujours de chez Missguided, et je la trouve vraiment trop belle. Je manque cruellement de veste grise, et c'est vrai que c'est une couleur à avoir dans sa garde-robe pour les vestes, je trouve. En plus de ça, c'est une veste en jean oversize, et j'adore ça. J'aime également beaucoup le petit col en fourrure. J'adore cette robe, elle est vraiment trop trop belle. C'est une robe courte, rose pâle, de chez Missguided, toujours soldée à 23 euros au lieu de 45. Et en fait, je la visualise avec une paire de filas blanche. C'est vraiment une tenue que je pourrais porter, cette robe, avec une paire de filas. Et ensuite, on termine avec ce manteau-ci de chez H&M. Donc oui, j'ai présenté beaucoup de vestes dans cette vidéo. Je me suis étonnée moi-même. Donc il est bleu clair. Je trouve la couleur vraiment très belle. En fait, c'est sur la couleur que j'ai le plus flashé. Il est soldé à 45 euros au lieu de 60. Et comme je vous l'ai dit, je suis vraiment fan de la couleur et j'aime également beaucoup l'effet fausse peau de mouton. Je suis vraiment fan de cette tendance. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment que le concept vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, également à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça aiderait vraiment cette dernière à se développer. Et puis ça me ferait trop 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 plaisir. N'hésitez pas également à vous abonner à mes réseaux sociaux. Les liens seront dans la bio comme d'habitude. Je vous invite également à vous rendre sur mon blog pour découvrir ma sélection entière. Donc j'ai catégorisé ma sélection en différentes boutiques, il y a de la mode et de la beauté. Donc je vous invite vraiment à vous y rendre, pareil le lien est dans la bio. Et écoutez, moi je vous remercie de m'avoir regardé encore une fois et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!